Excellent. Here we go. Yo les boomers, c'est Yoshi. Aujourd'hui, vidéo rapide pour éclaircir le débarquement des troupes en opération spéciale. Et oui, récemment encore, on se posait la question chez les Sajata, à quel niveau les troupes débarquent sur la plage? Est-ce que c'est au niveau des vagues? Au niveau des traits? Quel trait? Bref, pas simple tout ça. J'avais appris cette technique chez les Dantazouk et c'est toujours infaillible aujourd'hui. On va voir ça. Je vous apprends l'un des plus grands secrets du débarquement, alors soyez attentifs les enfants. Après cette vidéo, tout devrait être clair pour vous. Enfin, j'espère. C'est le but en tout cas. En opération spéciale, on a une bande jaune et noire pour délimiter le haut de la plage. Et juste en dessous, on a des lignes horizontales. Vous voyez ici, 1, 2 et 3. Lorsque vous avez une plage qui penche vers la droite, comme ici Titanic, vous mettez une fusée bien en bas de la plage pour orienter vos troupes, et vos troupes vont débarquer au niveau du second trait horizontal à partir du haut de la plage, donc au niveau du deuxième trait horizontal pour les plages qui penchent vers la droite. Maintenant, on prend l'exemple de la map Callisto, qui a une plage différente qui penche vers la gauche. Cette fois, les troupes vont débarquer au niveau du troisième trait. Regardez, le premier est collé au trait jaune et noir, le deuxième juste en dessous, et le troisième carrément dans les vagues. C'est là que vont débarquer vos troupes, au niveau du troisième trait sur les maps qui penchent vers la gauche. C'est simple, non? Voilà, lorsque la plage penche vers la droite en opération spéciale, vos troupes débarquent au niveau du deuxième trait. Lorsque la plage penche du côté gauche, vos troupes vont débarquer au niveau du troisième trait. Il n'y a pas plus simple pour réussir son débarquement en sachant si oui ou non les défenses vont vous toucher. Et ça marche sur toutes les maps. Ici, Manti, la plage penche à droite et les troupes débarquent au niveau du deuxième trait. Là, on a Waterloo, la plage penche encore sur la droite. Les Zouquettes vont débarquer au niveau du deuxième trait. Une autre map, Conifold. Cette fois-ci, la map penche sur la gauche et les Zouks vont débarquer au niveau du troisième trait. Donc voici la petite astuce sympa du jour pour savoir comment débarquer en opération spéciale sans se faire toucher par les défenses au débarquement. Et maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour gérer vos débarquements en opération spéciale dans vos teams respectives. Allez, je vous dis à plus les boomers. Ciao! Bye bye!